les gens, la dernière fois, je venais de me faire tuer en étant pas très prudent. Bon, pour tout vous dire, je viens de réussir à éliminer deux camps et juste après, sur le chat, on m'a signalé « Et au fait, on voit pas ta barre en bas ?» Et apparemment, OBS avait foiré, donc je réenregistre pour que vous ayez tout et que j'ai pas à faire de montage parce que j'ai horreur de ça pour le moment, j'en ai jamais vraiment fait. Et j'aime pas trop les outils de montage, quoi, bref. De toute façon, je m'étais juste battu, il n'y avait pas grand chose. Enfin, il n'y a pas grand chose, c'est pas grave si je recommence, quoi. Ça, on prend tout. Après, on redescend. Il me fallait. Juste. On fait déjà juste pour en prendre une ou deux. Deux. Très bien. Bon, tant pis. Et du coup, je repars. Il faut que je mette ça là d'ailleurs. Alors non, c'est vers le bas. Et donc, comme je le disais, je pense pouvoir envoyer la fusée ce soir en IRL. Et du coup, je sais pas si ça sera dans la première ou la deuxième VOD, si on a besoin de deux. Alors, mon corps est là. Je vais mettre une tourelle un peu loin. Une deuxième là. Voilà, j'ai tout récupéré. Je peux changer ça d'ailleurs. J'avais pas fait la dernière fois, peut-être que ça l'avait fait tout seul. Bah merci Riten pour le host ou le raid. Je ne sais plus. C'est abonné? Non, j'ai pas de notification d'abonnement. Normalement, c'est pas ça l'abonnement. Après, ça date tellement. Oh punaise. Ça date tellement là, quand j'ai fait les notifications que je pourrais pas le. La retrouver tout de suite. Ah oui, au final, j'étais parti un peu plus bas. Hop. Sûrement mettre ça dans la première barre, mais la première barre, à part les tapis, les trois premiers, je l'utilise quasiment jamais. Enfin, j'utilise jamais les raccourcis clavier, je veux dire. Oula, oula. Quelques poissons par en bas, ça attaque, mais ça devrait aller. Comme je le disais aussi, on voit pas bien là où il y a juste de l'herbe et là où il y a des taches d'acide. Alors là, oui, c'est tous ces points là. On les voit pas non plus les tourelles, mais c'est un peu moins gênant.
exploser celle-ci, comme ça les robots là peuvent s'amuser à la réparer. Qu'est-ce que tu te bats contre ta propre nature, toi? Et là, j'ai un robot qui est mort avec une tourelle. Je sais pas combien j'avais de tourelles, donc je sais pas si la tourelle est revenue dans mon inventaire, si elle est par terre ou si elle a été détruite avec. Tant que je suis là, est-ce que le prochain c'est un gros ou pas? Je pense que le prochain je pourrais le faire aussi. Ah, super. Ça aussi c'est un gros, punaise. Beaucoup de gros verres. Ok. Ok, ils vont venir à 100 000 parce qu'ils vont emmener munitions par munitions. Ok, c'est mort. Allez, rentrez tous. Du coup, j'ai perdu 3 robots en tous. Ça va. Du coup, ce que cette fois j'ai oublié de le faire, oui. Ok. Quoique non. Plus exactement, c'est cela que je bloque. Machine à vapeur, j'ai pas de. J'ai pas de chaudière sur moi, où elles sont? Où est-ce qu'elles sont? J'ai pas de four sur moi. Tant il me semblait en avoir eu masse. Ouais, non, mais c'est pas dans un coffre logistique. Ah si, c'est peut-être dans un coffre logistique, justement. Tac, alors ici on peut mettre ça.
que j'ai un coffre jaune, oui. Même le transformer en jaune pour y mettre toutes les machines d'assemblage. Que fait notre chat? Ok. Ah bah là. Où sont mes robots? Ah, je sais. Combustible solide. Ce sera pratique, je l'étire, mais même pas. On va peut-être se calmer. Se calmer, il n'y a pas besoin de 50 chaudières. Alors vous, vous pouvez me ramener tout ça déjà. Tout ça. Et copier. Un peu plus large. J'aurais dû commencer au moins là. Tac. Tac. 2, 4, 6, 7, 8 et 10. Fait le coller parce que l'espace était pas totalement libre. Voilà. Ok, ça devrait passer maintenant. Et j'ai besoin de remettre une tourelle là. J'ai besoin de... Ça, il m'en faut un petit peu plus. Je sais pas s'ils vont le chercher là-dedans ou pas. Je vais dire que c'est bon. Effectivement, j'ai pas l'impression, donc on va remettre un coffre comme ça. Et on va mettre ça. Production, on commence à être large, donc c'est cool. Et ça, il me reste une chaudière et une machine à vapeur. Ah, il me faudra plus de machines à vapeur en fait. Il en manque 3, j'ai l'impression. Alors,
Cool. La dernière fois, j'avais ceci. Où est-ce qu'on nous attaque encore? Ici? Sérieux? D'ailleurs ça, j'en veux zéro sur moi. C'est où? Ça, j'en veux maximum zéro sur moi. Allez, petit robot, reviens pour pouvoir travailler. Voilà. Maintenant, j'ai plus le temps de les attendre. Peut-être ici, ah peut-être là. Là quand même, ça veut dire qu'il a longé. En esquivant ça, ouais, c'est possible. Là, donc ça c'est en train de revenir. Ouais, mais on n'avait pas assez de... Quoi qu'il arrive, on n'a pas assez de barres d'acier. Les fours, ça en demande beaucoup. Et sinon, niveau recherche, on est bon. On est tout bon, on a tout prévu. Il faut beaucoup de violette et de jaune, donc je peux pas couper tout de suite. Pourquoi vous travaillez pas? Parce que vous avez pas d'acier. Pourquoi vous avez pas d'acier? Parce qu'il vient. Hop, on était où? On était là. Il vient de là. Il y en a besoin pour ici aussi.
Oh, ouais, du coup, c'est la misère. Du coup, vu que c'est la misère. Hop, tu vas arrêter de produire des robots, toi. Je pense qu'on en a plus qu'il n'en faut pour cette partie. Des deux types, d'ailleurs. Donc, on va faire en sorte que les... Comment ça s'appelle déjà ces trucs? Les... De pas consommer des plaques d'acier pour les châssis de robots volants. Voilà. On en consommera quoi qu'il arrive pour les moteurs, mais les moteurs sont en train de se stacker, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, oui, il n'y a quasiment pas besoin de potions bleues, c'est quasiment que les potions, enfin, c'est que les potions violettes qui me manquent. Donc, les potions violettes, il me manque des fours, et les fours, c'est... Enfin, les fours électriques. Et je vous le donne en 1000. C'est les... ça a besoin de plaques d'acier aussi. Non, même pas. Ça a besoin de circuit rouge. Et j'ai pas de circuit rouge. Parce que... Ils travaillent tous bien, ils sont tous à fond. Tout est pris par ça. Est-ce que on a l'automatisation 3 aussi, mais l'automatisation 3. Ça ne va pas. Ça va pas aider tant que ça. Et Plop Enroy. Donc on va enlever tout ça. Mettre aucune recette, ça aurait été peut-être un peu plus rapide et extensible juste derrière, mais sinon ici on a des circuits rouges pour les potions bleues, ici on a des circuits rouges pour les circuits bleus. D'ailleurs, je me suis dit hier soir que j'aurais pu upgrader cette ligne. Pour que les. Pour que tous les circuits verts fonctionnent en même temps et toutes les machines d'assemblage. Pour faire des circuits verts et des fils. Bref, pour tout pour les circuits rouges quoi. Commencer par la source toujours. Non, ça n'accélère pas réellement. Je suppose que j'ai pas de... non. Ok, il faut upgrade celui-ci aussi. Et...
faire quelques-uns. Voilà. Donc là, on vient d'augmenter notre prod de circuit bleu. Logiquement. Au final, les autres circuits rouges que j'avais besoin, ils étaient là-haut. Mais en vrai... Je peux... Ah. Je peux... Où les circuits rouges? Là. De faire une autre usine encore à circuit rouge, je peux profiter qu'ici il y en ait quelques-uns. Alors ici c'était tout bon et tac. Je crois avoir vu, mais je peux me tromper. Les éléments de fusée là, les éléments de commande qui sont super longs à produire. Là. Processeur et module de vitesse. Donc, module de vitesse, on a dit qu'on les stockait là-haut. Processeur, on en produit ici. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire descendre ce duo? Ouais. Il y en a beaucoup plus que ce que vont pouvoir produire les tout ce qu'on veut. Tac, tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Tac, les circuits bleus, on peut les prendre là.
Et ceci, qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. On veut ensuite. Ok. Et des petits potals. Je vais commencer par en haut. Voilà. Là, on rajoute ça. Et on peut repartir en s'amusant du coup. Ça fait un bon emplacement pour faire la fusée. Donc, est-ce que j'ai des bras verts? Je peux en faire, je suppose. Je peux en faire. On va en faire. Alors, bras verts. 10, parfait. Ce qu'il faut. C'est ça. On va pouvoir préparer ce qu'il nous faut pour le silo. Il faut 1000 plaques d'acier, 200 processeurs, 200 moteurs électriques, 100 tuyaux. Alors 1000 plaques d'acier, ça va être la mort. 200 processeurs. Sans tuyaux, je crois. Et après 200 moteurs électriques, 1000 béton, 1000 acier. Ok. Alors ici. Voilà, et d'ailleurs, pendant que j'y suis, il en faut 10, il faut combien de... Ouais, du coup, il faut 1000 de béton et 1000 d'acier. On va dire que sur moi, je veux... 800. J'en ai déjà posé 200. Et 1000 de béton. C'est celui-là. Ok.
chacun absorbé par son factorio. C'est beau. Voilà. Du coup... Ah, ça j'aurais dû le laisser en bas, c'est pas grave. Du coup, il me faut... 200 éléments de moteur. On va revenir là et on se refait la même et c'est bon. Je voulais aller jusqu'à l'acier pour avoir un coffre qui me prépare. Oh, j'ai mis un bras rapide. Si le bras rapide prend tout, ça va pas le faire. Plutôt un bras lent. Parce que j'ai besoin d'acier aussi plus loin. T'as 10 gardes de déchargement à vider et à déplacer. Ah oui, ta vie est géniale. C'est toi qui as choisi, non? Ça. On peut mettre là. Tout fait pour pas avoir à les déplacer. Je suis sûr que t'as pas tout fait. Tu pouvais ne pas les déplacer. À part si tu les as construits sur un champ de minerai et ça, bah, c'est ta faute. Ça faut que j'aille le remettre dans le coffre de la honte. Faut remettre la machine à vapeur aussi pas loin. Sais jamais, si je remeurs, je serais content d'avoir déjà une armure, même légère, disponible. Avec le tapis. L'acier, j'en ai. Oui, comment on fait du béton? Pour faire du béton, il faut de la brique, du minerai de fer et de l'eau. Ici, j'ai de la brique, ici, j'ai du minerai de fer et l'eau. L'eau, j'en ai là. Donc, je peux toujours faire descendre la brique ici. Faut que je fasse monter le minerai de fer, du minerai de fer.
Ok, j'ai du minerai de fer qui est censé arriver. Maintenant, la pierre... collée. Ah, je sais pas aller droit avec ma souris. Priorité en sortie, on ne veut que de la pierre et je crois que je fais de la merde. On ne veut que de la brique. Ça là, on va mettre ça. C'est pas ça qu'il fallait. Ça. Pas loin, mais pas suffisant, du coup.
Voilà, je pense que j'ai tout. Ouh là, il y a une belle attaque là. Et mince. Eh bien, réapparaître. Mais c'est un peu la dèche. Doit y avoir un camp là. Comme arme, je pourrais m'améliorer. J'ai petit bouclier à énergie. Ah, je peux en faire un ou deux. Un, je crois que j'ai la place, pas deux. Ou alors faudrait que je fasse une armure de puissance, mais pareil, pas ouf de place. J'ai préparé ici, mais si jamais ça se fait attaquer, je suis dans la mouise. Donc on va mettre 2-3 tourelles. Donc il faut tout ça. Il faut que je le rende à ceux qui le construisent. Si je peux faire un bouclier MK2. Ouais, mais il faut des structures à faible densité. On va éviter. Surtout qu'elle bosse toujours pas à cause du. De l'acier. Du coup, au moins une comme ça, il faut. Oui. L'acier, ça va. Un petit peu. Enfin, 10 d'acier, ça va, mais. Mais plus, c'est embêtant.
ça, faut que j'aille reposer tout en bas. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est un coffre. Comme ça, et dire qu'il me faut... Les murs, ils sont là, il m'en faut... Il m'en faut bien 200 tout le temps. Voilà, alors. De l'acier là-haut et du charbon et du fer, donc je vais peut-être faire de l'acier juste au niveau des structures à faible densité, alors que je pète la forêt sûrement. Hop là. Ça pourra toujours être utile. Mettre hop, je veux des balles. Ce truc qui arrive, moi je suis aussi en train de déplacer mes fabriques de potions. Ah. J'ai pas réactivé la lilalère. Nous disions oui. C'est là que je veux me recoller. J'ai quelques grenades. Au secours. Côté des tuyaux, je peux pas passer, c'est des tuyaux, au secours. Oui, ça c'est bon. Aussi serait d'avoir quelques modules de productivité. C'est qui
Au niveau max que je peux faire, donc 2. Ouais, vous êtes tous les deux en déménagement, jour de déménagement. Non, même pas, pas besoin. Ah mais c'est que il s'est posé juste là le camp. Ah ouais, je comprends qu'il soit vénère. En même temps, s'il se pose juste à côté de mon usine. Oh punaise. Oh punaise. On va rajouter. Logistique. Voilà. Falloir des balles. Oui, pour les rails là-haut. Okay. Je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir poser toute cette pierre qui m'encombre un peu. En parlant d'encombrer, on peut dire que si j'ai plus de sang de bois, c'est très bien. On peut jeter. Je pourrais refaire le retour. Tac. Peut-être près de ça. Et ça, vu le nombre de balles que je suis en train d'utiliser, peut-être pas ça. Hein. Où est la zone rouge? Dans la zone rouge, je coupe tout. La zone rouge couvre tout.
essayer de rester dans la zone des robots-ports. J'avais oublié que le béton allait être si rapide à se produire. Ça évidemment on n'a pas encore. Ça on peut arrêter. Clic droit pour un. Allez, faudrait qu'on vienne me mettre ce robot-port pour que je puisse m'occuper de la défense. Quoique, dans le même temps, c'est où? C'est là. Je pourrais au moins copier tout ça. Tac. Oui, j'en ai besoin là. Faire une fois. J'ai besoin aussi tac ce qui serait cool c'est d'avoir un là. Voilà.
Ok, c'est bon. Et il faut alimenter le tout en électricité. Voilà. Oui, ils me l'ont posé. Zone. On attend juste après cette attaque et on y va. Ok, c'est mieux passé que l'essai d'avant. Putain, c'est de l'autre côté. Ah, j'ai eu 2 secondes, mais je me fais attaquer. C'est ça de jouer en même temps que... En même temps que tu regardes un stream. Et moi, par contre, je me fais attaquer en même temps que j'attaque. Je suis ravi. Non, c'est pas ça. C'est là. Je passe ma vie à regarder en bas à droite quand je regarde un stream, alors que, au vu de mon setup défensif, je risque presque rien. Bah, moi, je risque un peu tout, mais... Mais c'est pas grave. Tac, tac. Bon alors là, qu'est-ce qui va pas ? Ça, il va pas. Et ça. Pas très loin de l'avoir lancé en automatique la production. Alors ça... Et je peux mettre... la place, mais oui, 100, ça suffira. Ouais, on sent un peu les différences quand même.
Alors là, est-ce que les premières, oui, les premières plaques d'acier supplémentaires arrivent? Font rien. Juste pour être sûr que j'ai pas la moitié de mes... La moitié de mes... Pas comme ça. Et j'ai pas la place. De mes fours qui ne travaillent pas au bout d'un moment, je voulais faire un petit rééquilibrage. Faire là plutôt. Rééquilibrage gauche-droite. Parce que sinon, tous ceux qui finissent par arriver sur la ligne du haut, ils vont pas se faire transporter. Ou alors... Ça marche aussi. Ça marche même plutôt bien. On va rester comme ça du coup. Tac. Alors, est-ce que on peut upgrade ça? Et ça du coup, jusque là. Ouais, j'ai quand même pas mal de circuits, non, de tapis rouge. Donc ça devrait le faire. C'est plus ou moins limite, mais ça arrive jusqu'au bout. On va faire la même ici. Et là. Elles servent les briques. Bah, de toute façon, elles servent ici. Oui, bon, voilà. Bah, là, il me reste 3h42. Il me reste... Deux recherches à finir, dont le silo à fusée qui demande quand même beaucoup de potions au total. Il demande 1000 potions. J'ai le silo à fabriquer et le silo à et les modules à produire quoi. Sachant que j'ai déjà des petits stocks, mais il me manque vraiment du violet. Donc là j'ai préparé la suite en rajoutant des plaques d'acier pour avoir des structures à faible densité pour la fusée, puisque
que c'est ici que je fais le tri. Et par contre le violet. Oui, du coup ça fait un masse de temps que j'ai plus produit de jaune. Ou plus beaucoup, ouais. Oui, ok. Mais le violet, pour comment je pourrais faire pour qu'il aille plus vite? Il me faut plus de fours. Pour avoir plus de fours, il faut plus d'acier. Donc en fait, je crois que tout ce que je vais faire là, ça va être produire plus d'acier. Si je dois résumer, engrenage et convoyeur. Ok, je vais faire une fabrique automatique de tapis rouge. Là. Pour moi, j'ai mes chances d'y arriver. Est-ce que c'est la réalité ou pas, vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont lentes à produire? Je sais pas. Là, il me faut des tapis rouges. Tac, et dans ma logistique perso. Au 100 tapis rouge. Voilà. Et du coup, je vais peut-être en profiter pour faire un vrai setup de four, un vrai plan. Comme ça, j'aurai justement des vrais plans pour la prochaine partie, que j'essaierai peut-être de faire en 8 heures. Ou... J'hésite encore un petit peu. Ah, j'ai aucun pét... Ok. C'est bon à savoir, ça. Ça, on reprend. On va prendre ça, on va l'appeler usine pétrole, non, raffinerie. Est-ce que ça marche ici?
Item égal oil. Marche pas? Non, fluide égal oil. Ça marche pas pour les noms de plans. De mettre le de vouloir essayer de mettre le logo. Je sais que ça marche de faire ça pour les et ah si ça marche pour les gares de train, mais j'étais pas sûr pour les plans. Tac. Oui, créer un plan. Tac. Oh punaise, je suis coincé. Colis. Le plan, il est parti où? Deux raffineries. Ah, il faut des briques. Sachant que j'ai essayé de me débarrasser de toutes mes briques récemment, mais il y en a qui arrivent là. Et deux raffineries. Le pétrole. Oh, oh, oh. Voilà. Deux raffineries plus, j'ai fait mon petit plan. Ça va pas le faire, c'est bon. Ça c'est bon. Et là il faut... Ouais, 1000 d'acier, punaise. 1000 d'acier qui font mal. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 100, 1000. Ok, logistique, je ne veux plus qu'on m'amène d'acier, je l'ai mis où là? S'il y en a en cours, je suis pas contre. Normalement, du coup, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour un... T'as qui hein? Il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer un silo. Du coup, j'ai plus qu'à attendre de le produire.
Est-ce que j'en ai un jaune? C'est encore mieux. Là, tu filtres tous les tapis. Totalement t'arrêter, si possible même aller dans l'autre sens. À régler mes problèmes d'approvisionnement en acier. Avoir d'acier, mais en même temps j'en produis pas s'il faut. Alors maintenant j'ai des problèmes de fer, sachant que ça peut être accéléré, ça aussi. Au moins tout ça peut être accéléré. Est-ce que ça va me produire quelque chose? Plus ça, on s'en fout. Ça va me produire un surplus utile, on verra. Là, tu prends en entrée en majorité à droite. C'est cool. Là. Et tu mets en priorité en sortie à droite. Comme ça, eux ont une chance de peut-être travailler des fois. Là, de toute façon. Si je vais tout droit là, ça marche tout aussi bien du coup.
Voilà, ça me paraît bien. On essayait de se faire un joli, un meilleur plan que celui-là qui est un peu tout pourri. D'ailleurs, je vais directement le supprimer. Quoique non, je pourrais le prêter en gardant le nom et les icônes, je crois. Alors, pour ça... poser les minéraux avant qu'ils m'encombrent de trop. De la place, on peut copier. Soit ça va pas bouger. Sauf qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop, du coup, si je mets. Comme ceci, c'est 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non. Comme ça, je crois. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Je copie tout ça. Je recolle. Non, en face. Là. Quelque chose comme ça. Je peux coller aussi ça. Voilà. Et j'ai besoin là, donc ici en fait on s'en fiche de ça. Ici, ce qu'on veut, ça, avec ça là, copier, coller.
Et ouais, par là. Ok. Donc ça, là j'en ai 24, 40, 48. 24, 48, c'est ça. Ouais, j'en ai 24, donc 48, oui. Et donc... une copie de 6, sélectionner un nouveau contenu de plan. On aise, sauvegarder le plan. Donc ça, ça fait une fournaise simple. Mais je préfère les fournaises simples parce que du coup, je peux faire un truc comme ça si je veux avoir un peu plus de... comment ça s'appelle ? Plus de production. Alors, où est-ce qu'on en est ? Elle est où ma pointe ? Elle est là. Il n'y a toujours pas de violet. Il n'y a toujours pas de violet. Eux travaillent tous, pourtant. Mais il n'y a ni four, ni... oh, là c'est abîmé ça. Là j'ai abîmé un truc. Donc là j'ai toujours les deux. Oui. Hein? Là. Je le savais en plus et je l'ai oublié. Donc, non. Léoné. Ici le... ah mais non, mais... là il faut la brique et là il faut la pierre, c'est même plus le, l'acier le responsable. C'est la pierre, c'est mon erreur de tout à l'heure. Et donc, là c'est pas stocké à fond, là ce n'est pas arrêté non plus. Donc ça va. Bel et bien un problème de... un problème de...
d'équilibrage gauche-droite là. De... Oups là. Voilà. Donc on va pouvoir vraiment coller là. Mmh. Revenir ici. Eh ben, bonne soirée à toi aussi, Enroy. À la prochaine. Tac. Hop. Et voilà. Et ça. Ok. On pourrait même mettre... des petites lampes ici et réupgrader c'est où tac. Nouveau contenu pour le plan. Pas bien, c'est de là qu'il faut que je prenne. Sauvegarder le plan. Oui. J'ai une petite lampe. Alors maintenant que je suis en fin de partie, je peux par contre remplacer par ça. Je peux... plein de construction. Je refais, oui. Ça ne va pas faire de mal. Priorité de sortie à droite. Jamais il y a du rab. Comment je l'intègre? Je peux l'intégrer. Hop.
Alors. Ça ne va pas jusqu'au bout. Ça ne va pas jusqu'au bout non plus. Par où je peux passer? Encore. Tout remplacer sauf toi et toi. Chose comme ça. Ça devrait protéger juste pour la fin de partie. Et 3 heures il me reste. Tu as aussi la fusée. Je crois que mon plan du coup, il manque la sortie à droite, bon c'est pas grave. Ce n'est pas très grave, il me faut plus de fer pour avoir plus d'acier, pour pouvoir avoir tout. Je pense que c'est ça la solution, pour la rapidité en tout cas. Parce que si je regarde là, il me manque des bien de l'acier. Bien de l'acier. Il manque de l'acier pour faire des rails. Il dit que j'avais des stocks d'acier impressionnants qui sont partis en un rien de temps. Juste parce que j'ai rajouté un petit peu de pierre. Sur ce, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.